Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie Dr. Frank pour un nouvel épisode de Varso. On va descendre dans ce quartier même s'il ne me propose pas des choses forcément follement intéressantes, surtout la production journalière qui est pas dingue, mais il a tellement peu de morale et a déjà pris son point d'usure qu'on va y aller. On va aller dépanner sur cette mission là. On est toujours obligé de prendre moult boussolas. Ah non, d'accord, on peut en prendre genre que 5. Mais on a vu qu'on n'en avait pas vraiment besoin. En vrai, on avait pas mal de... On était pas mal. Alors ouais, toi, c'est n'importe quelle position, mais c'est de préférence à l'arrière. Ouais, c'est ça, c'est plutôt arrière. C'est genre, t'es plutôt là. Tu commences qu'avec 16 sur 65 PV. On va peut-être se passer de toi. Toi, plutôt avant. Ok, plutôt à l'avant. Toi plutôt n'importe où. T'es juste au pistolet. Je peux même pas te passer au mitrailleur. Non mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte, tiens. Mais j'ai personne pour faire des soins en fait. C'est un drame. Je suis obligé d'emmener quelqu'un. Alors je vois si je peux recruter un random qui soigne, mais je sais même pas si je peux recruter. On va essayer, hein, écoutez, on va essayer de se trouver. Et il redonne un point d'endurance, retire une activation à l'ennemi. Ouais, bah c'est super. Non, mais c'est super. Mais non, en fait, c'est juste pas ce qu'il me faut, quoi. Il me faut obligatoirement un toubib, sinon on va mourir. On est obligé de partir comme ça. Hein. Non, toi peut-être pas, parce que t'as pas tous tes PV non plus. Du coup, je peux peut-être te remplacer, voilà, par quelqu'un comme ça, qui a un fusil, qui a une seule compétence, mais ok. Mais ok. Du coup, ça me va. Ah oui, alors, toi, plutôt... Alors, du coup, toi, plutôt par là. Et, du coup, t'étais où, toi, plutôt par là. Parce que toi, tu peux tirer depuis le fond. 1, 2, 3, tac, tac, tic, tac, tac. On est bien. Allez, on part comme ça. C'est compliqué. C'est déjà compliqué. Il faudrait que j'évite d'embarquer. Neutraliser les unités ennemies. Oui, en plus, on est sur un... On est sur un vrai... sur les vrais... Voilà, on est sur les vrais embrouilles. Ben voilà. Paf. En marchant dans la rue, vous apercevez un petit groupe ennemi. Droit devant vous, vous donnez l'ordre à votre équipe d'ouvrir le feu. Et ben, pan. Que je te dis de plus. Petit groupe d'ennemis. Ah, il y a les tutus. Le beau tutu. Ah non, on n'est pas obligé de tirer sur le berger allemand. Mais non, moi je veux pas. Mais non. Pas tirer sur le beau tutu. Pas tirer sur le bon tutu, c'est triste. Bon, allez, Bratata, Major. Bratata, Major. J'ai l'impression que tu fais zéro dégâts, Major. Va peut-être falloir changer ton fusil en fait, effectivement. Ok. Bratata encore. Entre 5 et 10. Ah oui, non, tu fais rien en dégâts. C'est la tristesse. Ah ouais, non, c'est la méga tristesse. Ok, c'est vraiment, t'es là pour donner des ordres. Ah oui, mince. Alors oui, ce détail technique. Soigne-toi tout de suite. Mais genre tout de suite, j'avais oublié ce détail. Bah yes, c'est bien une escouade où il y a déjà plus de PV. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Toi, il faut que je te sauvegarde parce qu'après avoir vu, tu es un PJ. Les autres sont des PNJ donc. Va falloir tuer des gens là. Falloir. 9 à 14, 11 à 12, 11 à 18. Mais je peux tirer que sur le bon toutou. Mais moi je veux pas tirer sur le bon toutou. Ah, mais j'aurais touché qu'un. Non mais c'est la honte. Ah mais c'est la honte. Non mais ça me fait pitié. Tire-moi sur ce pont. Cool. Meuf au fond elle est déjà morte. Faut que tu la sauves tout de suite sinon meuf au fond elle est morte. Raté.
Ouais, il faut que tu sois une buff au fond, sinon elle est morte. Ah oui, mais tu peux sinon soigner toute la ligne. C'est pas mal. On a gagné un peu de... C'est moi ou lui, il a deux activations en fait. Oh, vous me faites pitié quoi, c'est... 2 à 4 dégâts, je vais lui faire au chien. On en est vraiment là? 7 à 15 sur le mec. Et si je... 3 à 6. Mais c'est honteux à quel point vous êtes nul! Et ok, il y a déjà plus que toi qui peut tirer en fait. Vas-y, fais-nous pitié à voir. Secours, que quelqu'un puisse tirer, par pitié. Voilà, tire là-dedans. Parfait, jolie critique, c'est bien, on a l'air un peu moins ridicule. Ouais, ça c'est bon. Peut plus rien faire. On peut toucher quelque chose au moins, ou ouais, on va tuer le chien puisque il y a que ça qu'on peut toucher quoi. Yes, bah on touche même pas le chien. Super, je suis trop content. Je suis vraiment au sommet de ma vie là. Essaye de me ramener tout le groupe. C'est super. Là, on prend tellement la max, on fait tellement aucun dégât, c'est la honte. Les dégâts 3-3, je vais lui faire 3. Le chien, je lui fais 2 ou 3 dégâts. Mais non, mais c'est horrible! Mais c'est quoi ce groupe en mousse? Pourquoi je fais pas de dégâts sur les gens? Mais moi je veux tuer des gens! C'est ma passion de tuer des gens! Ah, c'est ça, tu t'arrives à le blesser parce qu'il est sur l'autre ligne quoi. La blague quoi. On est hachement convaincu hein. L'autre par contre il met la max hein. Putain, l'autre il met la max hein. Le truc c'est qu'en arme de soin, je suis au taquet quoi, je peux pas bourrer plus de soins en fait hein. C'est vraiment on a enlever une activation à l'ennemi, mais j'ai pas l'impression que ça va changer grand chose. Hein. Ah, tu tires en ligne avec ça, c'est ça? Ok, d'accord. Vas-y, on pète le décor. Hein. Si au moins on peut essayer de péter un décor. Hein. Si on n'y croit pas. Hein. Et on l'a raté, c'est ça? Non, mais on l'a vraiment raté. Vraiment, ma vie est nulle à ce point-là. Toi t'as regagné un point d'endu, tu vas t'en servir pour me soigner ce con. Et puis tu vas te servir de ton activation suivante pour te rendre des points de vie puisqu'ils sont en train de te foutre la max. Voilà, exactement. Donc vas-y, rends-toi des points de vie. Voilà, au moins t'as 60-60, même si tu repères des points de vie, voilà. Vous me faites pitié à voir. Vraiment. Vous êtes vraiment un groupe de la pitié, hein. C'est vraiment. C'est probant. Et le problème c'est que je suis obligé de l'utiliser en soin tout le temps, ça m'énerve, sinon je l'aurais fait reculer ce crétin depuis un moment. Il me saoule. On va mettre 1000 ans à le battre, à le buter en fait, c'est juste...
C'est juste ça, quoi. Alors, non, parce que du coup, moi, ça me gonfle de... Hein, tu me gonfles. Ah, je peux pas te faire un tir répulsif parce que t'es au fond. Et je peux pas prendre le risque de te déplacer d'une case parce que sinon je perdrais beaucoup trop de temps. Voilà. Maintenant c'est à eux. Ils vont éclater un mec. Ah non, ça va, ça s'est bien passé. Super, un critique à 5 quoi. Mais c'est la pitié! Mais c'est la pitié! Mais tu tires avec quoi comme... C'est quoi ton fusil? Avec quoi tu tires, meuf? C'est pas possible! Envoie-lui des balles! Arrête de lui jeter des cailloux, quoi! Bah, je peux même pas t'activer si tu vas mourir. Ça. Voilà. J'aurais pété le couvert avant le mec, hein. C'est le premier. Allez, ça y est, j'en ai déjà un qui est mort. Super. Sinon, tu servais à rien. Alors, il y a peut-être des niveaux de danger sur les missions, mais je suis pas informé. Hein. Ah là, il a plus de couvert, le mec officiel. Allez, on repousse ce con. Allez, évitons d'être ridicule. 8 à 17, hein. Eh bah, c'est raté. Bah, voilà, évidemment. C'est encore raté. Le mec juste je le touche pas quoi. Il a combien d'esquives le con? En fait juste à combien d'esquives mec? Ah ça y est, il est mort. C'était bien hein. Et du coup j'ai raté le chien c'est ça? Nice. Nice parce que le chien de toute façon il doit avoir 25% d'esquive, donc une chance sur 4 d'esquiver un tir. Bah, c'est balèze. C'est balèze, hein. Ouais, hein. Allez, hein. On tire avec nos petits pistolets, hein. L'activer, t'es en mode suppression, bah c'est super. Je touche pas. La mission de la dépression. La mission de la dépression. Connaissez-vous la Raptor mission de la dépression? Tu vas te déplacer. Mais je veux même pas savoir, je veux même pas savoir, j'étais en train de me dire ça fait combien de temps là que je suis en train de jouer là sur ce move là. Bon, en fait je veux même pas le savoir. Juste. Non, c'est juste mort. Et là tu peux plus jouer. Voilà. Ah t'as réussi ton test. C'est beau. Et bah c'est cool hein. Ouais, il faut qu'il reste debout, il reste plus que lui hein. Et je
je vais tomber en rate de munitions courtes tellement en fait il me reste plus que ça en fait, donc chaque fois que je tire je vais vider des munitions courtes. C'est génial. Les couverts m'auront jamais autant emmerdé. C'est fou hein. C'est fou de se dire que j'aurais jamais été autant emmerdé que par des couverts. Puis inutile de dire qu'arraché au point 38 là des petits couverts là, lol quoi. 5 à 2. 3 à 5, ouais c'est mieux hein. Mais sauf que c'est raté tout le temps parce que le chien il a trop d'esquive. Et qu'il est derrière son couvert évidemment. Alors si après là je pourrais peut-être te caler un petit tir répulsif pour te... Oui mais je peux pas te toucher donc le tir répulsif ne sert à rien. C'est formidable. Le tir répulsif ça marchera le jour où on touchera. Le problème c'est qu'on va tomber en rate de balle. Donc en fait cette mission on peut même pas la finir. Abandonner la mission. Ouais, on va peut-être quand même finir le chien parce que vu ce qu'il nous a coûté en cartouche quand même, peut-être le par pur respect, on va quand même le finir quoi. Je fais une critique à une brique. Franchement, je suis trop content. Je vais me servir de lui, ça c'est fait. On se fait quand même pourrir par un clébard, c'est quand même fantastique. C'est quand même fantastique. Aucun dégât à ce truc, c'est chiant. Tellement chiant. Ouais, vas-y, essaye de faire un trou sur le chien là. Alors on a bientôt pété sa barricade, hein. il va peut-être se passer quelque chose à un moment donné. Je crois qu'il va se passer un truc incroyable. C'est à moi de jouer, attention. On a détruit la barricade. Et j'ai fait un critique à 3 au chien, je suis un monstre. Je suis un monstre. Hop. Super. C'est trop bien. Touché. Oh, des vrais dégâts, j'ai vu des vrais dégâts, c'était beau. C'était beau, c'était incroyable. C'était incroyable. Super. On a vaincu l'ennemi, hein. C'est quand même... C'était fou, hein. Personne n'y aurait cru, hein. Alors, bon, on a perdu notre mission, hein, très clair. Ah, je me suis fait get spotted direct. Abandonner la mission. Oui. Défaite. Bah oui. Aucune chance. Les mecs, ils ont un medic. Ils ont... C'est mort. C'est mort. Mission ratée. Ouais, bah terminée. Hein. La mission a échoué. Mais évidemment. Évidemment. On va voir le vrai impact sur le jeu. Faut dire là, le jeu est trop chaud. Mes gars sont en PLS. Pris entre deux feux. Allez, on continue. On va voir ça. Un soldat azéri a été fait prisonnier et on l'amène devant votre équipe. Il porte l'emblème d'un des régiments spéciaux de l'ennemi. Ses gardiens expliquent qu'il a été identifié comme ayant participé au massacre de civils dans le quartier de Wola. Donc voilà, t'as vu. De ce que vous pouvez voir, étant donné la façon fiévreuse dont le soldat parle, il semble vouloir plaider sa cause. Mais vous n'arrivez pas à déterminer exactement quelle langue il parle. Réflexion, demandez à quelqu'un de traduire ce qu'il raconte. Doc.
Moins 2 de morale, bah comme ça c'est gratos, juste pour qu'on entende ce qu'ils disent. Malheureusement, vos tentatives pour communiquer ne servent qu'à paralyser encore davantage la situation. Après de nombreux échecs, vous décidez de déléguer la mission à quelqu'un de plus compétent dans ce domaine. Ah super. Bah c'est cool. Ah c'est cool. En vrai, je me casse le cul pour rien, essayer de trouver des solutions, faut mettre des balles dans la tête des gens. Voilà, vous savez comment il faut jouer à Varsov? Dans Varsov, il faut mettre des balles dans la tête des gens. Voilà, ce qui est une réalité de la guerre, hein, mais voilà. Donc on s'est pris une branlée des plus massives, des plus violentes, des plus désagréables. Rétablissez une ligne téléphonique. Oh, j'ai pas d'électro, j'ai pas de mec pour faire ça. Allez, c'est le quartier que je vais perdre, ça, c'est ça? Ouais, 66 sur 75. Intercepter les patrouilles allemandes. Il y en a que deux à pécho. Et je peux récupérer une arme lourde abîmée, mais on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Arme lourde abîmée, stopper les tirs de mortier ennemi dans les positions de l'insurrection. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a du moral et tout en plus, hein, ici. Hein. Moi, je suis chaud pour aller là. Hein. Osef, hein. Osef des autres. On va ici. On va ici. On y retourne maintenant de chez tout de suite. Je sais pas combien il faut qu'on soit. Il faut que tu dois se déployer à l'arrière, je crois. Yes. Tu te déploies à l'arrière. Toi, je peux te mettre n'importe où. Je vais te mettre par là. Toi, il faut que je te déploie à l'avant. Et toi, il faut que je te déploie à l'arrière. Yes. Et l'officier au repos. Officier, bonne journée. Non, mais c'était bon. Ah, c'était bon. Oui, c'est cool. On est comment? J'ai toutes les cartouches de pistolet. J'aime pas très très beaucoup ça. J'en ai tellement tiré. Stop. C'est quoi? C'est le point principal? C'est la quête principale ici? Voilà. Comme prévu, vous tombez sur un des mortiers cible. Abattez-le. J'espère que c'est pas un soldat avec un mortier. C'est un soldat avec un mortier. Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. Alors toi, tu peux faire changer de ligne quelqu'un. Il touche les deux du feu, du fond et les enflamme. Super, gros style de jeu. 19-28. Bah, on fait un peu plus de dégâts. Mais un peu, hein. Genre 3 dégâts de plus, quoi. Mais par contre, on n'a aucune perforation d'armure. Là, il y a 15%. Et il y a 83% de précision. Moi, j'ai envie de tirer là-dessus. J'ai raté. J'ai raté, vraiment. Dame frisson pour parler. Le rabrûlure, ok. Waouh, on est déjà dans des grandes situations de stress. Hein. Mais ça rate tellement fort à chaque fois, quoi. Bah, j'en ai perdu une là, non? Ah non, ah ouais, par contre, ouais, 3 PV, 12 PV. Ah oui, non, on va peut-être faire un petit tour de soin. Hein. Hein, on va faire ça, voilà. Il y a bon le soin. Hein. PV. Et stop quoi. Genre arrêtez tout. C'est à un moment donné, il faut mourir, hein, messieurs dames. Hein. Mais ils ont trop de PV en plus, ces sacs à merde. Non, mais j'ai besoin que tu me soignes. Bien que tu me soignes les deux en fait. Hein. Elle, elle a 33 PV encore. Il y en a 18. Mon infirmière, il faut que je la bouge. Hein. Elle va mourir si.
pas joli à voir. C'est pas joli à voir du tout. Ah, tu peux plus. Ok. HS, donc je suis obligé d'utiliser quelqu'un d'autre. Feu. Franchement, juste feu. Franchement, je sais que tu prends des brûlures, mais juste feu à un moment donné. T'as quoi, t'as un malus à la précision, t'as moins 15. C'est compliqué hein. Et elle a encore la brûlure. C'est mort, c'est juste mort. C'était 25. C'est pas mal. Deux tirs et il tombe. De rater et ils vont crever, c'est super. Et tu vas prendre ton D4 brûlure, voilà, c'est super. C'est chantier, au secours quoi. Et bah ils me l'ont tué, ils me l'ont one shot. Mais le jeu est vénère. En fait, le jeu est trop vénère. Mais il y a un vrai défaut d'équilibrage, hein, par contre. Hein. C'est genre, j'ai deux toubib, tu te fais saucer tes mecs, mais tellement fort. Et encore, le jeu, il est sympa parce que il vise un peu comme si, comme ça, un peu tout le monde, quoi. Hein. Tout le monde est un peu bas en PV, mais voilà. Allez, vas-y. Je vais voir ce qui se passe quand tu pars vraiment un de tes gars, un des insurgés clés. Parce que là, normalement, tu meurs, toi. Non, d'accord. On va savoir. Critique à 32. Et là le jeu est en train de te dire non vas-y maintenant c'est bon tu peux gagner hein. Il reste plus de mob, c'est bon. Il reste plus que les vrais. Voilà, donc là maintenant c'est bon, tu peux faire que des critiques, tuer les gens. Aïe aïe aïe, ça sent le jeu que je vais me faire rembourser, le jeu que je recommande pas. Aïe 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 aïe. Ah là là. Est-ce que Varsovie est un jeu de merde? Fusil abîmé. Il y a des merdouilles et des machins. On va par là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ennemi de niveau 3. Ennemi globalement de niveau 2, niveau 3, puisqu'on le connaît pas avant. Niveau 2. Et niveau 3, puisqu'on le connaît pas non plus d'avant. Contre 3 mecs amochés. Il n'y a pas de niveau de difficulté dans les missions qui te sont indiquées. Comment je fais pour savoir? Donc là je me fais rouler dessus hein. Juste je me fais rouler dessus, je fais ce que je veux mais je me fais rouler dessus hein. Que je peux tirer dans la bouche de ce mec là par exemple, juste pour le fun, voilà. Yes, c'est rigolo quoi. Yes, t'as plus de vie. Mais je veux voir ce qui se passe quand même quand tous tes insurgés sont morts, soi-disant. Savoir si c'est... qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est l'insurrection qui compte? Est-ce que c'est tes personnages qui comptent? Est-ce que tout compte? Et est-ce que tout le monde s'en fout? Comment ça se passe? Donc tuer, ok, OS. Battle. Je vais mourir aussi, c'est pas un problème. Par contre, fais-nous plaisir quand même de lâcher une petite roquette avant. Ah oui, c'est eux qui jouent. D'accord, stimulant de combat. Plus de vénère. De 65% toutes les résistances, ok. Plus de vénère. Ouais. En sachant qu'il n'y a pas d'amélioration des armes, tu peux pas. Le gros problème surtout de ce jeu là, c'est que tu peux pas choisir qui tu recrutes. Tu sais pas ce que tu recrutes. Et ça coûte une blinde de recruter. Hein. C'est-à-dire que dès le début du jeu, si tu claques toutes tes ressources, tu peux recruter que 3 mecs. Hein.
Donc, je sais pas si tout est random, si comment ça se passe, etc. Mais voilà, tu te fais rouler dessus en fait par le jeu dès la deuxième mission. Il y a un petit souci technique quand même. Ah non, mais c'était pas un fauchage qu'il fallait que je fasse, c'était un mode automatique. C'est pas grave. Et voilà, et on est mort des flammes. Donc défaite, la mission est un échec. On va voir ce que nous dit le jeu. Ouais, mission terminée, la mission a échoué, pas de soucis. On est 92,5%, on peut continuer. Gilson Ice, on vous apporte du butin issu d'avant-poste. Envoyez les pièces aux ateliers, quitter, on s'en fout en fait. Juste on s'en fout. J'ai plus personne qui peut réfléchir, donc de toute façon. Et même quand tu fais des tests de réflexion, t'es chaud quand même, donc c'est quand même génial. 1944. Il reste plus personne. Varsovie est vidée de son contenu. Le contenu, où se trouve le contenu. Donc là tout le monde est mort. On peut que recruter des randoms. Donc voilà, en plus on les voit même pas avant de les recruter quoi. Voilà, j'ai tout recruté, je peux pas en avoir plus que ça. Donc c'est à dire que la prochaine mission je peux faire qu'avec 3 mecs. Je peux faire la mission qu'avec 3 gars. En sachant que sauf erreur de ma part, on me donne pas de niveau de difficulté de mission. Genre on sait pas c'est quoi. Il n'y a pas de niveau de difficulté. C'est juste les quartiers ça, hein. Ouais c'est ça, hein. C'est pas des niveaux de difficulté. Et la difficulté, elle est cassée. Vas-y, on va juste déployer des mecs vite fait. On va voir si en fait c'est de ma faute et genre j'ai mal choisi mes missions. Ah oui, mais attends, déjà il faut que je te change ton flingue. Non, on arrête tout. Arrêtez tout. Non, parce que j'aimerais vérifier justement le subtil équilibre. Est-ce que le jeu est vénère ou est-ce que le jeu est de la merde en fait. Ce qui est très important. C'est quand même pas la même chose. Compétence, t'es bon du coup. Ça t'a pas mis à l'envers. Ouais, non, c'est bon, on est bon. Donc on disait tableau des missions, excursion. Non, excursion, on s'en fout. Nouvelle mission. Je sais plus ce qu'on prenait, des patrouilles. Ravitailler des groupes de résistants. Ah, sinon on va faire des groupes. Ouais mais non, on a vu que c'était trop dangereux ici. On va visiter ce dernier quartier qu'on a donc pas visité. Tac, on va juste effectuer des petites patrouilles hein, normalement. Hein. Tout va bien. Je te mets où là du coup? J'ai besoin de te mettre visiblement là. Je pense qu'on s'en fout, hein, c'est ça, t'as juste un lance-roquette, tu balances des trucs, c'est très rigolo. Et toi pareil, on s'en fout, mais on veut. Je vais vous mettre plutôt à l'avant, de manière à bénéficier des couverts si jamais il y en a. Ouais non, plutôt comme ça, ouais. Et alors, on commence la mission. Voilà. Donc là on va effectuer une patrouille, mais je pense qu'on va tomber en fait sur des gardes armés voilà, ultra vénères, non? Effectuer des patrouilles dans la zone clé. Vous reposez un instant, vérifiez que tout le monde est prêt à partir, vous donnez l'ordre de continuer vers la prochaine étape. Okay. Alors par contre, juste pour voir, les autres trucs c'est quoi? C'est une patrouille allemande. C'est un ravitaillement. Ah ouais, faut choisir. Attends, il faut que je me dirige avec les flèches parce que sinon je vais jamais y arriver. Ok, on se casse de là. Ok, patrouille suivante. Ok. On va se faire éclater. Yes, patrouille. Événement. On va voir ça. Oh, je suis obligé de faire le ninja quoi. Alors, Ouroboros, votre équipe tombe sur un avant-poste urbain saccagé qui occupait cet endroit, l'a complètement abandonné. Laissé derrière soi un souvenir, le corps d'un individu horriblement viscéré étalé sur une clôture de barbelés et de cordes, sans doute torturé pendant des heures.
Il est impossible d'identifier le corps déchiqueté, il pourrait très bien s'agir d'un soldat nazi, mais que faire de cette découverte? Non, on s'en fout, moi je ramasse des bandages, fous-moi la paix. Hein. Moi j'ai compris qu'il fallait buter des gens. Et soit tu butes des gens, soit tu prends les thunes et tu te casses quoi. Alors donner à la foule de se disperser, ouais vas-y tire dessus, hein. Charme, force, citer en fait votre objectif est de les protéger et redoyer un peu. D'accord, oui. Charme, ouais, personne de charmant. Allez le major il a l'air charmant. Eh ben moi 6. Et voilà. Fallait rien faire, fallait tirer sur les gens. Ah, et là on est mort. Et là on est mort. Parce que deux grenadiers lance-flammes. Allons-y, on va la jouer, on va voir quand même comment ça se passe. Hein. C'est quoi? C'est juste un projectile boom. C'est juste un projectile boom. D'accord. 82% de chance de le toucher. 86% de chance de le toucher. 18-24. Ils ont 1 million d'activations les mecs. Ça va être difficile à digérer. Tu peux repousser un mec, je peux zoner 2 gars. Je peux zoner 2 gars aussi. Ah oui mais je peux pas aller aussi loin. Donc non c'est nul tir, c'est toi qui tiens. Allez. 19. Il reste 9 PV. On va peut-être réussir une mission hein. Moi je pense que ça peut se faire. Ah c'est soit je redonne un point, soit j'enlève un point. Ok, c'est utilise de dendu. Ok. Donc le gars à qui j'ai rendu un point d'endurance, de toute façon il est sous suppression. Tue-moi ce connard. Ça fait un connard de moins qui joue. Et la mitrailleuse 2, mon chef, elle peut pas atteindre les mecs du fond. C'est ça. Donc, encore une fois, ce type ne sert à rien. 16-25. Après, voilà, on peut toujours tirer pour les dégâts, quoi. Pour le plaisir de faire des dégâts. Mais il vaut mieux tirer ce glandu là au fond, là. Ok. Nice, très bien. Ah bah je peux plus l'activer. Il est sous presse. Il est sous presse. La maxi sauce hein. Et encore j'ai des couverts là hein, parce que j'ai pas de couvert, c'est foutu hein. C'est ok Google c'est foutu. Ah, j'en ai fumé un. Ça y est on en a quand même buté un. Non, faut pas être trop ah, toi j'ai besoin que tu me plantes lui hein. Bah c'est raté. C'est raté. T'es touché hein. Mais j'aurais préféré éviter qu'on me touche. En fait subterfuge je peux que faire chez moi en fait subterfuge. Je comprends pas, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée du projet là? Ça a enlevé. Si ça a quand même bien enlevé une activation aux autres, d'accord. J'ai rien dit alors, c'est très bien. Si ça va déplacer l'ennemi sur l'autre ligne, très bien. Change de ligne, tiens. Et je l'ai raté. Mais par contre, hein, j'ai fait un trou dans le carton. Hein.
Comme jamais, hein. Voilà. Touché. En critique, hein. Ça fait 2 PV de trop. Oh, critique à 37, lol. Allez, bon bah il est mort, hein. C'était rigolo. Bah même cette mission là, vous voyez, elle est perdue. C'est à dire que le moindre combat est devenu impossible. En sachant qu'au QG j'ai plus aucune ressource, j'ai plus rien. C'est-à-dire que le jeu te donne même pas la possibilité de remettre un pieu le pied à l'étrier dès que tu foires une mission. Ta mission elle est foirée, c'est fini, t'as perdu au jeu vidéo. Allez, sors de chez toi, va prendre l'air. Ce qui est hors de question, bien entendu. Voilà, c'est très rigolo. Aïe, c'était pas moi de jouer. Là il va me supprimer... Ah non, je suis pas sous suppression encore. Là je vais être sous suppression, là je vais être sous suppression direct, hein. Alors théoriquement, si le jeu donc il est bien fait, hein, normalement lol, c'est moi je gagne un endu et l'autre il perd son activation. C'est débile. En fait, voilà, j'ai bloqué le jeu. Par contre, pour la blague, ça me rend vraiment des PV parce que je vois genre les annulations de points de vie. Non, non, ça donne 0 PV. J'ai juste que j'ai cassé le jeu, j'ai bloqué le jeu. Oh, jeu de merde! Excusez-moi. Hein. Alors, peut-être que des gens trouvent ce jeu excellent, mais non, pour le coup, je le recommande pas. Il coûte 20 balles, c'est 20 balles de trop. C'est. Il est mal branlé. Darkest Dungeon est dur, volontairement, peut-être même infinissable. Mais c'est dans l'ambiance et c'est dans le thème du truc. C'est dans la volonté du truc. Et tu peux quand même aller loin dans le jeu. Là non. Deuxième mission, je me fais poutrer. Troisième mission, je me fais poutrer. Et je perds tous mes gars. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là j'ai gagné, j'ai win, lol, trop bien. Je sais trop bien jouer aux jeux vidéo. Puis la caméra, l'appareil, vous voyez la caméra est trop mal placée. Je vois trop bien en haut mais pas assez en bas. Je vois pas où je vais. Secours. Du coup je suis obligé d'y aller comme ça parce que s'il y a une patrouille, je suis coincé. Et ils vont me voir avant que je les vois, c'est ça. On est là-dedans. Ok. Censé s'être reposé un petit peu. Si je veux voir par là. Ah non, c'est une caisse de loot. C'est du loot. Je prends. Des provisions, ok. Parce que j'ai envie de donner une chance à ce jeu, voir s'il est possible de remonter la pente, ou si vraiment le jeu va nous le faire à l'envers. Moi je pense que le jeu va nous le faire à l'envers. Les laisser s'amuser, nocturne attentelle, essayer de les persuader de reprendre leur activité. Intriqué par de faibles voies humaines, vous découvrez une entrée maladroitement dissimulée donnant sur un réseau de sous-sols rejoint artificiellement sous les maisons urbaines locales. En bas, vous tombez sur une congrégation hétéroclite de civils et de résistants cachés dans ce qui s'apparente davantage à un bar clandestin qu'à un abri temporaire. Vous reconnaissez des membres de l'insurrection, bien que votre présence soudaine ne semble pas les ennuyer. Ouvertement, vous avez le sentiment qu'ils ne devraient pas être là, du moins à cette heure-ci. On s'en fout, je les laisse s'amuser, on s'en bat les couilles. Voilà, du coup, il s'est rien passé. C'était cool. Ah yes. Et c'est fou parce que je me dis, autant la première mission, vraiment, j'ai roulé dessus et je voulais pas perdre de PV, c'est comme ça que je suis... Hein? Quoi? 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 Attends, c'est quoi? Ah, et d'accord, c'est là. Ok, c'était pas. J'avais pas fait gaffe. Ok. Autant toutes les autres, mais je me suis fait plier. Hein. Je me suis fait surplier. Et c'est là où, en fait, c'est tellement. C'est là où c'est énormément déséquilibré. C'est qu'entre la première où je pouvais nettoyer toutes les patrouilles, hein, je pouvais nettoyer toutes les patrouilles, dès la deuxième, la première m'a éclaté. La première m'a éclaté.
C'est dingue. Donc là, j'ai pu ramener du matos. On peut presque dire, lol, bravo, GG. Du 109, on me renvoie un mec qui va mourir. Ça, c'est cool. Bienvenue à bord. J'ai envie de donner une chance à ce jeu. Sauf que j'ai pas le temps de donner une chance à ce jeu puisque je vais me le faire rembourser. Donc, attention, des vrais événements ou quoi? Non, semblerait-il pas. Un mec avec un vrai pistolet. Qui fait pas de dégâts. Fait des brûlures. Ça a pas d'intérêt, ça a pas d'intérêt. Les compétences, je les trouve pas très très intéressantes en vrai. Donc là, par exemple, j'ai 200, je peux recruter deux gars qu'il faut que je recrute impérativement. Pas de médecin dans le groupe, puisque tu peux pas choisir ce que tu recrutes. Donc t'es obligé d'aller au casse-pipe avec ça. On a des excursions qui rendent du moral et qui coûtent des ressources, donc je ne peux pas payer. Qu'on soit bien clair. Et les missions n'ont pas de niveau de difficulté, donc on sait pas ce qu'on fait. Tu sais pas si la première patrouille que tu vas croiser va t'éclater ou pas. Voilà, donc il faut faire des missions comme ça à la con. Ah, il faut réparer un biniou, bah j'y vais. Bah j'y vais. Voilà. Là t'y vas, tu prends tes gadgets, tu fais bon bah vas-y, je vais réparer un biniou, go au boulot. Go taf, hein. Youpi, vous allez encore tous mourir parce qu'il n'y a pas de médecin à bord. Bienvenue à bord. Petit poulet. Voilà, j'espère que vous êtes très contents. On a vidé le QG encore tout son matos, ce qui fait que si on perd cette escouade là, bah, la prochaine mission, on leur lance des cailloux dessus. Donc ça aussi, pareil, gros défaut, pas de couteau. Donc tu sais même pas, tu peux même pas essayer de faire semblant de te battre quand t'es en rade de munitions. Quand t'es en rade de munitions, c'est fini, t'es mort. Bon. C'est tout. C'est tout, t'es juste mort. Réparer une barricade de l'insurrection, vas-y. Hein. Allez. C'est réparé. Alors on va essayer de jeter un œil. C'est une caisse. Ou alors c'est voilà, c'est peut-être moi qui sais pas choisir mes missions. Hein. C'est peut-être, je parle peut-être mal du jeu, c'est peut-être de ma faute. Hein. Ça c'est une patrouille. Ça c'est du loot. Je prends le loot. Donc après, il y a d'autres choses qui sont réussies sur ce jeu. C'est, je sais pas. Puis le problème, c'est que le jeu te met même pas en garde contre. J'adore Darkest Dungeon. Tu commences le jeu, tu vas dans n'importe quelle zone de donjon. Bah, t'as droit de la faire et tu peux la faire. Et tes mecs ont le niveau pour la faire. Y a pas cette échelle de la violence gratos. Tu t'es fait rouler dessus, quoi. Lol, et c'était amusant, quoi. Et voilà. Et là, mon escouade, elle est perdue. Elle est perdue. Ah, t'as un chalumeau. Tu peux brûler des gens. Ah ouais. Ah oui, si, c'est rigolo ça. Et là, regardez, je me tape des mecs de niveau. Là, le grenadier de niveau je sais pas combien, là. Cette espèce de mec, là. Ils ont 5, 4 activations ou 5 activations. Ils ont un lance-roquette. Non, mais c'est mort. C'est juste mort. C'est juste complètement décédé, quoi. 7 à 12, 7 à 13. D'accord, le mec il fait des doigts d'honneur, il fait des bras d'honneur, il s'éclate quoi. On s'amuse au parc Astérix, youpi, cool, c'était rigolo. Moi il faut que je tue des bonhommes. Ah oui, mais il y a que toi qui zone, c'est ça? Il y a que ça qui zone. Et ça qui fait ligne, ok. Mais il faut que j'attende le tour prochain. Donc bah écoute, enquête-moi ce crétin. Ah, ça a pas l'air, mais ils sont déjà tous morts, officiels. Voilà. C'était bien. Puis là, pareil, le jeu est pas équilibré. Moi, j'ai le droit d'emporter que 4 mecs. Je tombe en face de moi. J'ai que des mecs de plus haut niveau que moi, à part, allez, on va dire, peut-être le petit soldat au fusil. Je me suis déjà fait nettoyer un mec. Je me suis déjà fait nettoyer un mec. Premier tour, je me suis fait nettoyer un mec.
Et en face, ils sont 5 avec des plus gros niveaux. Et l'équilibrage de ce jeu, quoi. Au moins, dans Darkest Dungeon, tu fais du 4v4. Point. Y a pas de 12v4, quoi. Non, le jeu ne fait pas ça. Pourquoi je peux pas faire ça? Ah, faut que tu sois au fond. Ah bah excuse-moi, bah va au fond. C'était bien. Ouais. Oh, on s'éclate, hein. C'est quoi, fait une barricade devant, ça sera rigolo. C'est joli au moins. C'est un esthétisme. Voilà. Ça utilise un endurance et ça déplace un ennemi. Raté. C'était bien, hein. Moi j'ai adoré. Et elle prend des dégâts de feu. Ouais, donc non, officiellement le jeu est bien déséquilibré, y'a pas d'embrouille. Y'a pas d'embrouille. Le jeu est complètement cassé, quoi. J'en ai même raté. C'était très rigolo. Voilà. Grenade, il m'en a tué deux. C'était bien. J'ai vu que le personnage légendaire qui fait des super bras d'honneur, mais que de toute façon, bah, il est mort, le mec. Voilà. Non, mais je me suis fait nettoyer en 3 tours. Mais 4 mecs. L'équilibrage du jeu. Au secours. Au secours. J'ai presque envie de titrer cette vidéo jeu de merde. Parce que là, je vous explique à quel point c'est un jeu de merde. Non, mais on s'en fout. Yes, super. Super. Cool, on s'en fout. On s'en fout, on perd toujours de toute façon sur tes événements. On s'en cogne. Voilà. Oui, on s'en fout, il n'y a plus personne. Tout le monde est mort. C'est intéressant. On en est à un point où on n'en a rien à foutre de la Pologne. Voilà, c'est ça. Donc là. Moi je veux recruter des mecs, voilà. Ma prochaine mission, je peux la faire avec juste elle. Merci le jeu. N'achetez pas Varso, c'est de la merde.